Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir des partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Voilà. J'espère que vous êtes accrochés à la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Alors, je vais aller plus vite parce que j'ai un problème de téléphone. L'autre, ça ne va pas. Alors, ce téléphone-là sur lequel je suis, il est un peu cassé. Il est un peu cassé, donc il ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on va aller plus vite. OK. Alors, je fais cette vidéo pour déjà dire à toutes les personnes qui m'écoutent et qui m'écoutent, qui me suivent, de m'excuser parce que j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur sur la vidéo que j'ai faite à ce qui concerne Michel Babo, ok? Les histoires de la mairie. Voilà. Le Seigneur m'avait envoyé une révélation pour me dire que si Michel était dans la vérité, lui, Dieu, il allait lui donner ce qu'il cherche, ce qu'il veut, c'est-à-dire être maire. Lui, Dieu, il allait lui donner cette place. Alors, il fallait que je rentre en prière et puis demander à Dieu, mais pourquoi il dit s'il est dans la vérité? Tout simplement, ça veut dire qu'il n'est pas dans la vérité. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Ok? Voilà. Donc, j'ai fait la vidéo en disant que c'est quelqu'un qui était bien, mais je vous avais bien dit que je ne le connaissais pas. Hein. Je ne connais pas Michel Barbeau. C'est son père. Le comportement de son père que je connais, c'est quelqu'un qui est vraiment honnête. Donc, pour moi, je me suis basé sur son père pour le défendre. Ok? Et ce qui a été une erreur de ma part, parce que chacun est comme il est. Ok? Alors, si Dieu me dit que s'il est dans la vérité, il va gagner ses élections, ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un, il fait quelque chose. Et quoi, Justin est venu dire que lui, il demandait de l'argent au cas où il était maire pour nommer quelqu'un qui devait être son agent ou maire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fait, hein. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur me dit que s'il est dans la vérité? Donc vraiment, Michel, moi je ne te connais pas, mais la seule chose que je vais te dire, c'est que sois dans la vérité. Okay? Sois dans la vérité. Toute chose que tu dois faire, sois dans la vérité. Et le Seigneur va t'aider à avoir ce que tu cherches. Okay? Voilà. Si tu le cherches vraiment pour la population, ben, le Seigneur va t'aider. Donc si tu le cherches vraiment, si tu es honnête vraiment, le Seigneur va t'aider. C'est ce que le Seigneur veut tout simplement dire. Mais maintenant, dans quoi tu es? Et puis le Seigneur te dit, le Seigneur me dit de te dire que si tu es dans la vérité, lui, Dieu, il va te donner ce que tu cherches. Ben, là, je ne sais pas. Donc si tu es dans quelque chose qui n'est pas bien, corrige-toi et fais ta campagne et puis tu verras la gloire de Dieu. Ok, si tu n'es pas aussi, si oui, il faut tout faire pour être dans la vérité. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là parce que j'ai déjà gaffé, j'ai déjà déconné. Je ne veux pas recommencer encore. Ok, le Seigneur m'a donné la révélation. Je suis parti dans l'émotion et je vais vous dire, mes frères et sœurs, si vous faites l'œuvre de Dieu, ne partez jamais dans l'émotion parce que l'émotion fait des fois que tu donnes les révélations de Dieu, mais tu donnes pas ça vraiment comme Dieu te l'a donné. Ok, voilà. Et là, j'ai fait cette erreur-là. Vraiment, excusez-moi. Excusez-moi, ça va plus se répéter parce que quand le Seigneur me donne des révélations, il faut que je les dise exactement comme Dieu m'a dit. L'émotion ne doit pas m'apporter. Quand le Seigneur a dit que s'il est dans la vérité, il fallait que je ne fasse pas de vidéo, que je demande à Dieu, mais pourquoi tu me dis s'il est dans la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai pas fait tout cela. Je suis venu le défendre. Peut-être que j'étais en train de le défendre dans le mensonge. Ça, je ne sais pas. Donc, je préfère présenter mes excuses. Et puis, bon, si Michel, comme je te l'ai dit, si tu veux vraiment gagner tes élections, ben, sois dans la vérité. OK? Voilà. Donc, on va passer sur ça. OK? On va passer sur ça. Maintenant, on va venir sur ce monsieur-là qui s'appelle Steve Biko. OK? Steve Biko me traite, monsieur Steve Biko me traite de sorcière. Monsieur Steve Biko, moi je ne suis pas une sorcière. Le Seigneur m'utilise tout simplement. Alors, celle-là même qui t'envoie là, si elle a peur de ce que je dénonce là, c'est parce qu'elle a peur plutôt. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est parce qu'elle a peur de ce que je dénonce sur elle. C'est pour cela qu'elle t'a envoyé pour embrouiller les gens. Parce que quand tu as commencé ton petit jeu, j'ai vu dedans, mais je n'ai pas vraiment fait attention à toi.
Ça fait des années que tu es sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais décortiqué la parole de Dieu. Depuis un certain moment, tu as commencé à décortiquer la parole de Dieu. C'était quoi qui était caché derrière? Tu voulais tout simplement faire comprendre aux gens qui me suivent que j'étais dans le mensonge. Comme ça, si j'annonce quelque chose qui se passe auprès de M. Gbagbo, pour ne pas que les gens puissent me prendre au sérieux, pour ne pas que les gens puissent m'écouter, je vais te dire une chose, que faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça. Quand tu es un homme là, tu dois travailler. Ok? Quand tu es un homme, tu dois travailler. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes vraiment accrochés à l'argent. Regarde aujourd'hui, le petit qui est au Burkina là, regarde tout ce qu'il est en train de faire. Une fierté. Une vraie fierté. Vous des vieux comme ça là, vous êtes accrochés là, on vous donne des miettes et vous rencontrez du n'importe quoi qui n'a pas de sens. Et dans ça, vous salissez, vous voulez salir les gens. Ce n'est pas moi que tu vas salir, hein, ok? Voilà, tes miettes qu'on te donne là, ce n'est pas moi que tu vas salir avec ça. Tu comprends? La personne qui te paye là, il faut lui dire d'aller chercher sa cible ailleurs. Parce que si c'est sur moi qu'elle est arrivée là, mais en tout cas, je ne sais pas, mais tout ce qu'elle fait là, ça sera mis sur la place publique. Ok? Voilà. Parce que quand le Christ Yapi parle là, quand tout le monde parle qu'elle est sur mission là, pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Et puis c'est sur moi qu'elle vient réagir. Et d'abord, je vais te dire une chose. Un moment, tu dénonçais Robert Oulaye ou je ne sais quoi. Tu le dénonçais beaucoup. Que oui, c'est un traître, c'est ceci, c'est cela. Le monsieur n'est pas un traître. Tout simplement, le monsieur est bien avec Gbagbo. Parce que le jeu que j'ai compris maintenant chez cette femme-là, quand quelqu'un est bien avec Gbagbo, elle t'appelle pour te dire que non, il faut exposer la personne, que la personne n'est pas bien pour Gbagbo. Parce qu'elle veut éloigner Gbagbo de tout le monde et puis accomplir sa mission. Mais sa mission ne pourra pas s'accomplir. Ça ne pourra pas s'accomplir. Donc, elle n'a qu'à arrêter cette bêtise. C'est de ça que je parle. Alors, tu viens m'attaquer, oui, je suis sorcier. Je suis sorcier en quoi? J'ai bouffé quelqu'un que tu connais? N'importe quoi. Moi, il y a la nourriture, hein? Ok? Quand je ne mange pas la nourriture du monde, là, je mange la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, qui est les prières de Dieu, qui est les jeûnes de Dieu. Je n'ai pas le temps de vos bêtises, là. Ok? Voilà. Donc, tes sorcières, là, va les chercher ailleurs. Il ne faut pas coller mon nom à la sorcellerie. Et je refuse cela. Je retourne l'esprit de la sorcellerie sur toi. Tu comprends? L'esprit de la sorcellerie, là, je retourne ça sur toi. Dans le nom de Jésus, je retourne ça sur toi. Parce que je refuse la sorcellerie. Donc, l'esprit de la sorcellerie que tu veux me coller, là, je refuse ça et je retourne ça sur toi. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur ne m'a pas créé sorcière. Ok? Voilà. Non, c'était pour te dire ça. Et puis, je vais te dire une chose, que tous les gens que tu dénonces là, c'est parce que la chose là qui est à côté de Gbagbo te dit de les dénoncer. Parce que la chose là, elle ne veut pas que quelqu'un s'approche de Gbagbo. Parce qu'elle est sur mission. C'est de ça qu'on parle. Et puis, tu es en train de sorcier. Tu es en train de sorcier pourquoi? On parle de ça. Elle est sur mission. Elle est sur mission. Ok? Quand j'ai parlé de Thiam ici, là, tu es venu tout renverser. Non, hey, Thiam, c'est ceci, Thiam. Je vous ai dit que Bédier a trahi le combat. Et c'est ça qui l'a amené au cimetière. C'est la trahison qu'il a faite. Parce que le Seigneur avait dit ça. Que s'il trahit le combat, il va le livrer à ses ennemis. Donc, c'est le Seigneur qui l'a livré à ses ennemis. C'est de ça que je parle. Ok? Il a trahi le combat. Et la trahison de ce combat-là, c'est Thiam qui est dans PDCI. Avant, Thiam n'était pas dans PDCI. Comment Thiam a atterri dans PDCI? Parce que c'est le gouvernement français qui a mis pression sur Bédier pour prendre Thiam dans PDCI. Ok? Et aujourd'hui, ils sont en train de faire chantage sur Dramane Ouattara à ce qui concerne Thiam. Et parce que le gouvernement français, c'est comme ça qu'il travaille. Celui qui va te remplacer là, ils le mettent dans un parti politique. Comme ça, quand tu bouges là, tu dis, si tu bouges trop là, on te renverse, on t'enlève et puis on met celui-là. Ok? Donc, Bédier a trahi le combat
avant qu'il ne soit plus de cette terre, de ce monde-là plutôt. Ok? Je suis en train de parler de ça et tu viens tout ménager. Et je parle de Dumuya et tu dis que oui, que moi je prends tes paroles pour faire vidéo. Toi tu rencontres quoi de bon et moi je vais prendre tes mensonges que tu rencontres là pour faire vidéo. Toi tu es guidé quand on te dit, faut dire ça, puis tu dis là, moi je vais te suivre dans tes mensonges. Je vais te suivre dans tes mensonges. J'ai dit que les histoires que tu rencontres sur Dumuya, c'est le mensonge. Tu mens. Parce que Dumuya, là, ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. C'est la France qui a fait le coup d'État. Et c'est la preuve que j'ai montrée dans ma vidéo. Quand Alpha Condé a parlé, là où, quand Alpha Condé est venu sur ce truc-là même, dans le sommet que Dramane a organisé là. Alpha Condé a dit que lui veut se séparer de la France, qu'il ne peut plus travailler pour la France, qu'il veut travailler pour sa population. Et il a dit ça. Et Dramane lui a dit, ah, Alpha Condé, on est en direct. Et il a dit à Dramane que j'assume moi ce que je dis. C'est à partir de là que le problème d'Alpha Condé a commencé. C'est à partir de là que la France a commencé à se préparer pour l'arriver sur son pouvoir. Et ils se sont servis de M. Dumuya. Ok? Pour lui dire, quand ils ont fini le coup d'État, c'est Dumuya qu'ils ont mis devant pour que ce Dumuya la fasse la déclaration. Comme quoi que c'est lui qui a fait le coup d'État avec ses frères. Ok? Donc maintenant, quand ils ont fait le coup d'État, ils ont mis Dumuya là. C'était pour un petit moment, le temps qu'ils préparent les marionnettes qui va venir remplacer M. Alpha Condé. Et quand les marionnettes étaient prêtes maintenant pour le mettre au pouvoir, ils ont demandé à Dumuya que Dumuya n'a qu'à organiser un truc pour annoncer à la population que eux ils ne peuvent pas rester au pouvoir parce que c'est des militaires. Et qu'il y a un civil qui va venir prendre le pouvoir, mais ils seront avec lui. Il n'a qu'à faire une communiqué. Oh là là, le français aussi pas. Il n'a qu'à communiquer à la population qu'ils vont quitter le pouvoir parce que c'est des militaires. Et c'est là que Dumuya a dit à la France qu'ils n'ont qu'à lui foutre la paix. Que lui, il est un homme pour diriger son pays. C'est pour ça que j'ai dit bravo à Dumuya. Je lui dis bravo. Voilà, bravo, c'est son pays. C'est ton pays, mon frère. Il faut gouverner ton pays. Mais il faut te coller à tes frères. Il faut te coller à Asmi Goïta. Il faut te coller à mon gros bébé de Burkina. Vous allez vous battre avec ces unions-là jusqu'à ce qu'ils vont libérer l'Afrique. Ils vont vous laisser tranquille. Vous allez gouverner vos pays. C'est de ça que je parle. Donc, je te dis que tes mensonges que tu rencontres là, il faut arrêter. Parce que Dumuya n'a pas fait de coup d'État. C'est la France qui a fait le coup d'État et ils sont venus déposer Dumuya en croyant qu'ils allaient se servir de Dumuya. Dumuya va garder leur place pour leurs marionnettes. C'est là que Dumuya a dit que non, moi je ne bouge plus. Et c'est pour cela que la France n'a pas fait trop de tapage en Guinée. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. Ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait trop de tapage. Ils ont effrayé un peu Dumuya, mais quand ils ont vu que Dumuya tenait la tête, Dumuya leur tenait la tête, ils l'ont laissé tranquille. Ok? C'est de ça que je parle. Et tu me dis que oui, moi je prends tes paroles pour venir faire vidéo, ça ne va pas. Tu as vu toutes les vidéos que j'ai, donc ça a été tes paroles que j'ai rempli ma page. Je t'ai dit que le plan dans lequel celle-là qui suit Babo là se trouve là, on va faire ça ensemble. C'est de ça que je te parle. La mission qu'elle est venue accomplir à côté de Babo, là, on va accomplir cette mission-là ensemble. C'est de ça que je parle. Et tu m'envoies à gauche, à droite. Tu me traites de sorcière. On ne parle pas de sorcière. Ok? Quand on parle de sorcière, là, c'est la personne qui t'a envoyé là qui est sorcière. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu es sur une mission, tu lui fais croire que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas. Et tu te trembles derrière lui partout, alors que tu sais que tu es sur mission. Donc c'est elle qui est sorcière. Parce que moi, ce qu'elle fait là, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pour tout l'or du monde, je ne peux pas faire ça.
Je ne peux pas faire croire à quelqu'un que je l'aime alors que je suis son danger derrière lui. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai la crainte de Dieu. C'est de ça que je te parle. Ok? Je te parle de ça. Le plan que vous êtes en train de mettre en place, un moment tu dénonçais, comment il s'appelle même celui-là? Tu dénonçais, comment il s'appelle même ce type-là même? Stéphane Kipré, tu l'as dénoncé. Et pourquoi tu as arrêté de le dénoncer? Pourquoi tu as arrêté de le... Parce que c'est elle qui t'a dit d'arrêter de le dénoncer. C'est elle qui t'a dit d'arrêter de dénoncer Stéphane Kipré. Le plan qu'ils ont mis en place aujourd'hui, là, le plan que le gouvernement français a mis en place sur la Côte d'Ivoire, ils placent quand même les pions. Le plan qu'ils ont mis en place, là, c'est quoi? C'est que, comme ils savent que Gbagbo est aimé par la population, là, bah, ils vont se servir de Gbagbo pour amener, pour amener, chose, comment il s'appelle, Stéphane Kipré au pouvoir. Ou ils vont se servir de Gbagbo pour amener Kone Katina au pouvoir. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que moi je parle. Pepe Asseyi là, il y a tous des traîtres là-bas. Tous des traîtres là-bas. Tu sais le nom que Dieu m'a donné, et ça, ça fait longtemps. Le Seigneur m'a dit que après Gbagbo là, c'est Kamana Picasso. Il m'a dit ça. Et j'ai fait vidéo sur ça. Le Seigneur m'a dit que après Gbagbo là, c'est Kamana Picasso. Ok? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu comprends? Voilà. Ça veut dire que Gbagbo là, il ne vient pas au pouvoir pour rester au pouvoir. Gbagbo, le Seigneur m'a dit qu'il va mettre M. Gbagbo au pouvoir juste pour qu'il puisse passer à travers M. Gbagbo pour enlever la France complètement sur la Côte d'Ivoire. Pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Maintenant, dans le nettoyage de la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo va rester au pouvoir 5 ans. Et quand les 5 ans là, vont finir, là, celui qui va prendre la place, là, c'est Kamana Picasso. Et pourquoi le Seigneur a dit ça? Quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais pourquoi c'est lui? Le Seigneur me dit que parce qu'il est honnête, il est franc, il est dans la vérité. Seulement, il ne connaît pas bien la politique, mais si Gbagbo l'apprend, si les 5 ans que Gbagbo va rester au pouvoir, là, Gbagbo va l'enseigner la politique, comment il doit gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que c'est quelqu'un là, il peut tenir devant la France. Il n'est pas en communication avec la France. Il n'a rien à voir avec la France. Par contre, Stéphane Kipré, il traite avec la France. Ok? Celui que je viens de parler, le porte-parole de PPACI, là, faites attention à lui. Parce qu'il fait ses petits, il y a des petits trucs qui viennent. Mais celui que le Seigneur m'a dit, il s'appelle Kamana Picasso. Le Seigneur m'a dit qu'il est honnête, il est clair. Et quand toi, tu as dit un moment que oui, c'est Blé Goudé qui a fait que ils ont amené Kamana, qu'ils ont convoqué Kamana Picasso. Il n'y avait pas que Blé Goudé. Il n'y avait pas que Blé Goudé. La chose qui suit Gbagbo là, elle était impliquée dedans aussi. Parce qu'ils veulent se débarrasser de Kamana Picasso. Parce qu'ils savent très bien que Gbagbo a confiance à Kamana Picasso. Ils savent ça. Et ils savent très bien que les Ivoiriens peuvent se lever pour Kamana Picasso. Ils savent ça. Donc, ils veulent l'écarter. Ils veulent l'écarter. Ok? Donc, ton jeu dans lequel où tu es là, moi, j'ai vu, le Seigneur m'a tout détaillé. Le Seigneur, là, il m'a tout détaillé. Et c'est pour cela que tu fais partie, tu dis aux gens maintenant que je suis sorcière. Comme ça, quand je vais sortir des trucs que le Seigneur m'a dit, là, les gens ne vont pas m'écouter, ils vont dire, il faut laisser ça là, ils rencontrent n'importe quoi. Je ne rencontre pas n'importe quoi. Ce que j'ai dit, là, vous allez voir ça de votre propre yeux. Si le Seigneur ne change pas les données, ok? Si le Seigneur ne change pas les données, vous allez voir ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose maintenant. Qui est que ton mensonge dans lequel où tu es là, je vais te suivre dedans jusqu'à puis je vais voir où tu vas arriver avec ta chose qui est derrière Gbagbo là, parce que c'est elle qui t'envoie non de salir les gens, non de salir les gens, dire que oui celui-là il est traître, celui-là il est traître, celui-là il est traître, mais tu n'entends pas quand les gens disent que elle est payée
pour faire tomber Babo là. Ça, tu n'entends pas ça. Tu dénonces jamais ça. Quand le Christ Yapi parle là, tu n'entends pas. C'est que le Christ Yapi l'a dit sur elle, tu n'entends pas. Tu n'entends pas ça. N'importe quoi. Je vais dire quelque chose que... Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, non, il ne faut pas que Dramane va aller faire la guerre au Niger. Il ne faut pas que Dramane va faire ceci. Laissez Dramane tranquille. Ok? Dramane là, laissez-le tranquille. Moi et mes soeurs là, on a pris des jours de jeûne devant le Seigneur pour demander à Dieu de nettoyer la Côte d'Ivoire. De nettoyer la Côte d'Ivoire, de libérer la Côte d'Ivoire. Et quand on est rentré dans ce jeûne-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Notre jeûne n'a pas... Excusez-moi. Notre jeûne n'a pas reçu comme ça devait être reçu. Ok? Le jeûne, ça a été gâté un peu. Donc, quand on dit que Dramane Ouattara a échappé à un coup d'État, mais c'est le résultat de notre jeûne. Parce que des fois, je vois les gens qui divaguent. Oui, les gens là, ils ont prié à la mosquée. C'est ça qui fait que... Non, c'est pas ça. C'est le jeûne que nous, on a pris là. Quand on a pris le jeûne là, c'est là que Dramane a échappé à son coup d'État. Et pourquoi il a échappé au coup d'État? Parce que le jeûne, on a raté le jeûne. Il y a quelqu'un qui a fait qu'on a raté le jeûne. Sinon, si on avait très bien fait le jeûne là, Dramane aujourd'hui, il était tombé. Ok? Parce que quand il y a eu le problème qui a fait qu'on a raté le jeûne, j'ai prié à Dieu. Dieu m'a dit que le jeûne n'a pas été accepté chez lui, Dieu. Parce que tout jeûne que Dieu te dit de faire là, Dieu, quand tu finis le jeûne là, tu vas devant sa face et tu lui demandes si le jeûne a été bon ou si ce n'est pas bon. Et quand j'étais devant la face de Dieu, le Seigneur m'a dit que le jeûne n'a pas été accepté par lui parce qu'il y avait ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui a été mal fait. Et ce qu'il a dit, on a. Parmi nous, ça, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça qui a gâté le jeûne. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas les prières que les gens là, ont fait hier là, qui a fait tomber. Non. On a fait le jeûne depuis, ça va faire... si je compte bien, je crois que ça va faire deux mois et demi qu'on a fait le jeûne. Ok? Ça fait 2 mois, 3 semaines qu'on a fait le jeûne. Ok, disons 3 mois qu'on a fait le jeûne. Et c'est après le jeûne que Dramane a échappé au coup d'état qui s'est passé. Ok, pourquoi? Parce que le jeûne a été gâté un peu. Ok, voilà. Donc, arrêtez de dire que oui, Dramane n'a qu'à laisser affaire de Niger. Dramane n'a qu'à aller faire. Dramane n'a qu'à aller au Niger. Ok, Dramane là, il n'a qu'à partir au Niger. N'oubliez pas, hein, on a notre jeûne de mercredi pour le Niger. On dépose le Niger dans la main de Dieu. De faire tout le combat qu'ils vont amener là-bas, que ce soit Dieu même qui fasse le combat à la place de nos frères, de nos enfants, de tout le monde qui vient défendre le Niger. Là. Que Dieu même fasse le combat à leur place. Ok? Voilà. Donc, ne demandez pas, c'est mercredi, hein, de 6h à 6h. Okay, je vais plus vite parce que je n'ai pas assez de minutes sur ce téléphone. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas... Laissez Dramane tranquille plutôt. Laissez Dramane tranquille. Il n'a qu'à aller au combat. Il n'a qu'à envoyer ce qu'il appelle les militaires là, au combat. Ok? Voilà. Laissez-le tranquille. Mais ce que moi, j'ai à dire... aux militaires, aux rebelles de Côte d'Ivoire là, qui se disent militaires là. Ce que j'ai à leur dire, c'est qu'avant de partir là, ils n'ont qu'à dire au revoir à leur famille. Parce que s'ils vont là, ils ne vont plus revenir. J'ai déjà dit ça, il y a longtemps que j'ai dit ça. S'ils vont là, ils ne vont plus revenir. Ils vont rester là. Ok? Ils vont rester parce que le cinéma qui va se passer là-bas là, ça va traumatiser le monde entier. Tous ceux qui vont partir là, ils ne vont plus venir. Parce que Dieu même les attend là-bas. Et c'est au Niger que vous allez voir que Dieu vraiment... C'est au Niger que vous allez voir le combat, comment Dieu se bat. C'est au Niger que vous allez respecter le Seigneur Jésus. Allez-y là-bas, il vous attend. Ok? Donc, laissez Dramane tranquille, il va partir. On prie, on jeûne. Et il y a quelqu'un qui a fait que le jeûne n'a pas été accepté chez le Seigneur. Mais le Seigneur nous a quand même montré que... Vous avez vu mes enfants,
sur le jeûne a été bien fait là. Voilà ce qui allait se passer. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand j'ai dit à mon gros bébé de Burkina là, de faire attention, de ne plus aller sur le chantier de bataille, parce que ce n'est pas bon là-bas pour lui. S'il ne m'écoute pas, qu'il insiste là, il va voir l'action comme ça vis-à-vis, mais ça ne lui fera rien. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que Dieu travaille. OK? Quand Dieu envoie une révélation, et puis tu ne crois pas, et puis tu fais ce que Dieu te dit de ne pas faire là. Dieu te montre l'action. Mais de la façon que ça allait agir sur toi là, c'est pas comme ça, que peut-être que la personne va juste le blesser, il va se retrouver à l'hôpital. Et c'est à partir de là maintenant, toute révélation qui va venir vers lui là, il va faire attention. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok, voilà. Donc le jeûne qu'on a fait, en demandant à Dieu de nettoyer notre pays, d'enlever le drame sur notre pays, parce qu'on est fatigué de tous ces barbaries qu'il fait là, de nettoyer notre pays de ses ennemis là. Vous voyez ce que le Seigneur a fait, mais sauf que c'est nous qui n'avons pas bien, on n'a pas bien fait le jeûne, et donc Dieu nous a montré que la prochaine fois que vous faites bien là, vous savez ce qui va se passer. Ok, voilà. Donc, vous qui dites que oui, c'est les gens qui sont à la mosquée, qui ont prié, qui ont fait ça, c'est parce que je vous dis que c'est faux. Glorifiez le nom de Dieu. Arrêtez de glorifier le nom des gens. Ok, glorifiez le nom de notre Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui fait aujourd'hui que le combat qui se passe en Afrique, là, ça se passe comme ça. C'est le Seigneur qui a touché ce monsieur Poutine.